Bonsoir à tous, bienvenue dans 27-27, l'émission d'actualité européenne et citoyenne. Ravie de vous retrouver. Au programme de cette émission, la pauvreté des Européens. Étudiants en galère, retraités pauvres et isolés, mamans solo. Un citoyen sur quatre se dit en situation de précarité, selon le Secours populaire. À l'heure où l'inflation galope, bon nombre d'entre eux, y compris ceux qui travaillent, sont parfois contraints de choisir entre manger ou se chauffer. Comment lutter contre ce fléau qui gagne du terrain sur tout le continent? Évidemment, nous entendrons les analyses et les témoignages des Européens de notre séance de réflexion organisée avant chaque émission. Moi, j'ai vécu la pauvreté en Suisse. J'ai eu sali mon assiette avec un peu de sauce de ravioli pour faire croire à mes enfants que j'avais mangé avant eux. Pour en débattre, deux invités aux visions radicalement opposées. Özlem Demirel est une députée allemande, membre du parti de gauche Die Linke. Elle plaide pour freiner le libéralisme, augmenter les salaires et les aides sociales. Face à elle, Nima Sanandaji préside un cercle de réflexion libérale suédois. Selon lui, il faut stopper l'assistanat, synonyme de piège à pauvreté, et favoriser l'innovation en baissant les prélèvements. Notre reportage nous conduira d'Espagne en Belgique dans les pas de Carmen, une Catalane en situation de précarité qui a participé à une rencontre avec des élus européens. Ça ne sert à rien de se plaindre à sa voisine en disant « Regarde la facture que j'ai reçue, comment je vais faire pour manger ce mois-ci ? » Non, on n'arrive à rien comme ça. Il faut faire du bruit, sortir dans la rue, se battre, crier plus fort, tous ensemble. Enfin, dans notre grand entretien, je recevrai Lee Elliott Major, ancien punk, un temps sans-abri, devenu le premier professeur de mobilité sociale à l'université d'Exeter au Royaume-Uni et l'un des plus fervents avocats de la transgression de classe. Voilà, c'est le programme de 27, c'est tout de suite. Bonsoir à tous, bienvenue et dans ce débat comme chaque semaine à mes côtés, Corentin Chrétien de Rose. Nosvat, Corentin? Nosvat, Noah. C'est quelle langue? J'ai envie de vous laisser deviner, c'est une langue qui m'est chère. C'est donc du breton. Exactement, bravo. Corentin, vous allez nous parler des dates, des chiffres, des données, être le rapporteur du débat que nous organisons en ligne avec des Européens éclairés, experts engagés ou simples citoyens avant chaque émission. Oui, cette semaine, nous avons reçu des Européens qui essaient de comprendre les racines de la précarité, de la pauvreté, donc des chercheurs anglais, français ou allemands, mais aussi des Européens qui se battent contre la pauvreté, contre la précarité, des activistes venus d'Italie, de Suisse, et enfin des Européens qui la vivent au quotidien, la précarité, mère isolée, retraitée paupérisée ou étudiante boursière. Et je précise que ce débat est visible en intégralité sur le compte YouTube de 27. Alors, pourquoi une telle explosion de la précarité? Vous avez résumé ce débat, Corentin, et c'est votre pourquoi de la semaine. En Europe, la croissance est à 4%, le chômage est au plus bas en 10 ans et les profits du CAC 40 et du DAX à un niveau record. Tout va bien. En tout cas, c'est ce qu'on pense en prenant la pilule verte. Maintenant, prenons la rouge. En Europe, 94 millions de personnes sont menacées par la pauvreté. Oui, c'est un Européen sur cinq. Et même les pays riches ne sont pas épargnés. Nous avons un pic de pauvreté en Allemagne. 16,6% de la population, c'est-à-dire près de 14 millions de personnes, vit au niveau du seuil de pauvreté ou en dessous. En Italie, la pauvreté a augmenté de façon dramatique. Certaines mamans n'envisagent plus de mettre leur enfant à la cantine. En Suisse, j'ai eu faim. J'ai eu faim avec mes enfants. Pause. C'est pas clair. L'Europe est riche, les gens travaillent. Comment se fait-il qu'ils aient faim? Avoir un emploi ne veut pas dire que vous n'êtes pas pauvre. Parmi toutes les personnes pauvres en Allemagne, près de 30% travaillent. En Italie, un travailleur sur 8 est un travailleur pauvre. Ça veut dire qu'il travaille plus de 6 ou 7 mois par an, mais qu'il vit pourtant dans un ménage dont le revenu ne permet pas de satisfaire ses besoins basiques. En 30 ans, le travail s'est flexibilisé, libéralisé, uberisé. L'Allemagne compte 7 millions de mini-jobs précaires et mal payés. Au Royaume-Uni, 1 million de contrats zéro heure n'offrent aucune garantie aux travailleurs. En Europe, le nombre d'emplois à temps partiel a augmenté de 5 millions en 10 ans. Le rêve, c'était qu'on allait réduire le chômage. Mais en fait, on a fragmenté le marché du travail en Italie. On a créé une distinction, une barrière nette, entre les travailleurs standards et les travailleurs précaires. Bienvenue, vous êtes embauché. Oh, merci. Je rigole, vous êtes licencié. Oh, mince. Les jeunes sont devenus la variable d'ajustement du marché du travail. C'est eux qui sont les principales victimes du travail précaire. J'étais en études à plein temps
et je devais encore travailler 15 heures à côté. Ça commence petit, c'est-à-dire on est un peu malade, mais du coup après bah, on dort pas, donc on est encore plus malade, on retombe malade, on doit dépenser plus d'argent, donc on est encore plus stressé. On a l'impression qu'il n'y a pas de porte de sortie. À force d'être flexible, est-ce qu'on s'est tordu ? Même après le travail, la précarité continue. Au-dessus de 65 ans, un Européen sur 6 est menacé par la pauvreté. Les gens qui arrivent en bout de course, qui ont eu des carrières de plus en plus mitées par le chômage et la précarité de l'emploi, ils ont des retraites de plus en plus petites. Je ne touche pas de retraite de mon travail. Je dépends totalement du minimum public. Et c'est dur. Parce que vous devez payer pour la nourriture, pour l'électricité, le fioul. En fait, on est coincé. Des citoyens comptent les centimes sur un continent richissime. Quel paradoxe ! La précarité est-elle une fatalité ? Doit-on regarder le ciel en attendant que les profits ruissellent ou monter les chercher ? Mais comment ? Doper les aides et les minima sociaux ? D'accord, mais qui doit payer ? Quand nos voisins ont faim, qui est responsable ? Eux seuls ou nous tous ? La précarité est-elle une fatalité ? Özlem Demirel, vous êtes née en Turquie, vous êtes arrivée en Allemagne à l'âge de 5 ans, vous êtes passée par la lutte syndicale avant de devenir députée européenne, membre du parti Die Linke, hein, qui est à l'extrême gauche en Allemagne. On le voyait à l'instant hein, dans ce pourquoi, une Europe de plus en plus riche, pourtant une précarité galopante. Comment est-ce que vous expliquez ce paradoxe ? Il y a eu de nombreuses décisions politiques ces dernières années qui ont conduit à la paupérisation d'un nombre croissant de personnes actives, de travailleurs et de travailleuses. Nous avons aussi connu une libéralisation du marché du travail qui a contribué à l'affaiblissement des syndicats et donc à des conventions collectives qui garantissent des salaires de moins en moins avantageux. Et en même temps, notre système social a subi des coupes budgétaires à répétition qui l'ont abîmé. Toute cette conjoncture a paupériser de plus en plus les gens qui se trouvent au milieu de tout ça. Nima Sanandaji, vous avez fui l'Iran pour la Suède à l'âge de 8 ans. Vous êtes devenue l'une des voix hein, du libéralisme en Suède et en Europe. Vous êtes aujourd'hui à la tête du Centre européen pour l'entrepreneuriat et la réforme. Est-ce que vous partagez l'avis d'Özlem Demirel ? Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'économie de la connaissance met la barre de plus en plus haut. Dans les générations précédentes, un diplôme de l'enseignement secondaire était un niveau d'éducation élevé. Aujourd'hui, c'est une exigence minimale sur le marché du travail. Il faut ajouter à cela qu'en Europe, les habitants qui sont nés à l'étranger viennent généralement de pays pauvres et qu'ils ont à la fois une éducation et un capital social plus faible que les autres. Prenez l'exemple de la France, de la Suède ou de n'importe quel autre pays. Si vous comparez un enfant de 4 qui grandit dans un quartier sensible, avec des parents nés à l'étranger, avec un autre enfant de 4 ans d'une famille de la classe moyenne, et encore un autre enfant de 4 ans qui a des parents hautement qualifiés, vous verrez que la différence de vocabulaire de ces trois enfants est très importante. Déjà à cet âge-là, l'échec scolaire frappe. Et ces jeunes qui ne passeront pas le bac aujourd'hui ne vont pas bien se débrouiller sur le marché du travail plus tard. Face à cette situation, les hommes et les femmes politiques ne peuvent pas simplement toujours augmenter les impôts et les aides sociales. Ce serait un cercle vicieux menant immanquablement à la pauvreté. Donc je pense qu'il faut surtout agir de manière préventive contre l'exclusion et investir massivement dans l'éducation et la formation professionnelle pour augmenter les compétences des individus. Özlem Demirel, finalement, on est face à une question d'inadéquation entre le marché du travail, les demandes du marché du travail et une partie de la population qui n'est pas assez formée pour y entrer. Bien sûr, l'éducation, c'est très important. Si tu viens d'une famille peu instruite et socialement défavorisée, il est plus probable qu'indépendamment de ton intelligence ou de ta stupidité, tu te retrouves plutôt en bas de l'échelle sociale. Corentin, est-ce que la pauvreté, elle augmente réellement partout en Europe ? Oui, la réponse est oui. Depuis 2015, l'Europe calcule ce qu'elle appelle le risque de pauvreté et d'exclusion sociale. Depuis 2015, ça baissait, hein. Chaque année, c'était logique, on était en croissance, sauf en 2021. Depuis 2021, la courbe s'est inversée et désormais le nombre d'Européens à risque de pauvreté est en augmentation. Ce n'est pas une anomalie statistique, hein, ça se vérifie à l'échelle de chaque pays. Quand on regarde par exemple en France, en 2021, la Fondation Abbé Pierre a remarqué une hausse des personnes dans l'extrême pauvreté. Et c'est encore plus surprenant en Allemagne, en 2021, le record de pauvreté a été battu. Une personne sur 6 vit désormais dans la pauvreté en Allemagne, dont je rappelle que c'est quand même le pays le plus riche d'Europe. Oui, Özlem Demirel, l'Allemagne, donc c'est le cœur économique de l'Europe est confronté à un pic de pauvreté. Est-ce que c'est ça aussi que vous voyez ?
Oui, bien sûr. Il est vrai que l'Allemagne, l'un des pays les plus riches d'Europe, génère actuellement beaucoup, beaucoup de pauvreté. Et ça, ce n'est pas possible. C'est insupportable. À l'époque où on a mis en place la politique d'austérité, on a repoussé l'âge de départ à la retraite. L'une des conséquences, c'est que nous avons de plus en plus de personnes qui, à l'âge de la retraite, en viennent à ramasser des bouteilles, parce qu'il y a une consigne de 25 centimes dessus. Quand vous vous promenez dans les rues en Allemagne maintenant, quand vous prenez le train, vous voyez de plus en plus de personnes âgées qui fouillent carrément dans les poubelles, parce qu'elles y trouvent des bouteilles qui peuvent leur rapporter 25 centimes. Elles se promènent avec leurs sacs, puis elles vont les déposer dans les magasins, parce que l'argent de leur retraite ne leur suffit pas. Donc, nous nous autorisons de plus en plus à avoir des personnes qui ont travaillé dur toute leur vie et qui vivent dans l'indignité à la retraite. Et ça, c'est un scandale. Nima Sanandaji, en Suède hein, aussi, pourtant la Suède, on a toujours tendance à se projeter une image d'un modèle social absolument parfait. La pauvreté, elle a augmenté sensiblement depuis 2014 et elle a même doublé depuis les années 90. Comment vous expliquez cela ? Le développement de la pauvreté en Suède est très lié à l'immigration. Dans les années 70, la Suède était une société très homogène où pratiquement tout le monde était né dans le pays. Le niveau de formation des gens était très élevé. Aujourd'hui, une grande partie de la population de la Suède, ce sont des immigrés. Et chaque ville suédoise a aujourd'hui des quartiers sensibles avec de mauvaises écoles et de la criminalité. Et ces gens ont du mal à entrer sur le marché du travail puisqu'ils sont principalement nés à l'étranger. Pardon Nima Sanandaji, vous êtes en train de nous dire que c'est l'arrivée des immigrés, d'une population émigrée en Suède, qui a conduit à la paupérisation et qui a aussi créé une forme de criminalité ? Oui, c'est ainsi. Ce que toutes les statistiques et toute l'expérience montrent. L'exemple de la Suède est très intéressant. Lorsque l'on mesure les connaissances des gens, leur statut sur le marché du travail et leurs revenus, tout cela correspond. Je dois vraiment réagir, pardonnez-moi. Mais entendre ce récit, qui voudrait qu'en fait, l'échec des gens ne repose que sur leurs propres épaules, ça m'est devenu insupportable. 50% de la population allemande ne possède que 1,5% de la fortune du pays. 50%. En revanche, les 10% les plus riches possèdent par exemple 60% de la fortune totale en Allemagne. Et vous voudriez me faire croire que ce serait en rapport avec la société de la connaissance? Vous allez me dire que les super riches et les milliardaires les plus riches en ont fait beaucoup plus que ceux qui travaillent tous les jours et ne peuvent pas vivre de leur travail. Et puis quoi encore ? Rapidement. Cette attitude émotionnelle et un peu agressive est très provocatrice. Je ne l'apprécie pas. Désolée de vous interrompre, hein, mais ce qui est agressif, ce n'est pas l'argument que nous avons un système injuste. Ce qui est agressif, c'est le piège de la pauvreté dans lequel est tombée la majorité de la population en Europe. Ce ne sont pas mes arguments personnels, ce n'est pas le fait de le dire, ce n'est pas le fait de nommer les vérités qui est agressif. C'est bien la réalité de notre société qui est vraiment agressive et brutale. Si l'on regarde l'Europe, prenons la France, c'est un des pays au monde avec les impôts les plus élevés, les allocations les plus généreuses et un marché du travail très réglementé. Et on a malgré tout tous ces problèmes. Et on va dire, non, non, il faut prendre l'argent des milliardaires, tout est de leur faute. D'accord, faites-le alors. Testez une société avec encore plus de socialisme, plus d'impôts et plus d'allocations. Est-ce qu'on trouve quelque part dans le développement international ou les études scientifiques des arguments qui accréditent cette perspective? Je ne crois pas. Alors justement, parce que Corentin, au risque de jouer les Cassandres hein, entre l'inflation, l'explosion du prix des énergies, des logements, l'avenir n'est pas forcément souriant et on en a beaucoup parlé dans notre entretien. Et justement, j'aimerais vous entendre après le témoignage. Oui, parce que les chiffres de 2022 ne sont pas beaucoup plus optimistes que tout ce dont on vient de parler. Hein. La moitié des Européens, plus de la moitié des Européens, selon un sondage Ipsos, estiment qu'ils ont un fort risque de tomber dans la précarité. Donc, il faut bien savoir que quand on parle de précarité, de pauvreté, on ne parle pas d'une niche, hein, d'une petite marge de personnes qui seraient risquées. Tout le monde pourrait tomber du jour au lendemain dans la précarité. C'est ce que nous a dit Yannick, c'est notre témoignage de la semaine. Elle est suisse retraitée et avant d'y arriver, elle n'avait jamais deviné qu'un jour dans sa vie, elle aurait faim. Moi, j'ai vécu la pauvreté en Suisse, dans un pays où on gagne des salaires qui font rêver la plupart des pays européens, où on n'en parle pas, où on a des difficultés, mais ça reste un autre soi. Mais en Suisse, enfin, avec deux enfants, un loyer de 1 800, 500 euros d'assurance maladie, des impôts quand même, une facture de téléphone. Enfin, j'entends,
À la fin du mois, on va avec 30 francs dans le porte-monnaie et on fait les rayons en se disant, en calculant dans sa tête chaque produit qu'on met pour surtout pas dépasser le montant qu'on a dans le porte-monnaie. J'ai eu des placards vides où par exemple, enfin ça paraît un peu, je ne veux pas sortir d'un film, mais j'ai eu sali mon assiette avec un peu de sauce de ravioli pour faire croire à mes enfants que j'avais mangé avant eux. Un jour ou l'autre, tout d'un coup, une maladie, une petite dépression, un problème familial, et vous vous retrouvez dans une situation de pauvreté. Mon mari avait un bureau d'ingénieur, moi je parle plusieurs langues, on avait des bons métiers, on a voulu tenter notre chance dans une entreprise, on a fait faillite, et voilà, du jour au lendemain, vous perdez tout, et ça peut arriver vraiment à tout le monde. Ce qui est intéressant dans le témoignage de Yannick, c'est qu'aujourd'hui, on est face à une situation où elle nous dit, en fait, personne n'est protégé de la pauvreté. Oui, nous sommes dans une situation où plus personne n'est protégé contre la pauvreté, à l'exception d'une toute petite minorité, les super-riches, les nantis, les propriétaires d'entreprises, qui sont d'ailleurs devenus encore plus riches à chaque nouvelle crise. Les compagnies pétrolières s'en mettent plein les poches en ce moment. Et les gens, eux, ne savent plus comment se chauffer ou faire le plein de leur voiture. Et donc, ce récit qui dit que quand l'économie va bien, tout le monde va automatiquement bien, c'est un conte de fées. Car nous en avons connu des périodes de croissance. Et en ces temps de croissance, ce n'est pas comme si les salaires et les prestations sociales avaient soudainement augmenté massivement, bien au contraire. Je ne suis pas du tout d'accord. Cette idée que les entreprises se portent bien, que les actions se portent bien, elle n'est absolument pas vraie. L'industrie va mal aujourd'hui, la crise économique est énorme. Mais de se dire au milieu de cette crise économique que les riches deviennent de plus en plus riches et que les entreprises font de plus en plus de bénéfices, c'est une erreur. À quoi ça sert ? Cette idée que non, c'est seulement l'argent de quelqu'un d'autre qu'on va prendre, cette idée-là a bien été tentée, encore et encore et encore, mais c'est de la pure démagogie. Alors, Özlem Demirel, effectivement, on est dans une situation de crise économique. Est-ce que ce n'est pas démagogique de dire, en fait, il va falloir distribuer une richesse qui n'existe plus ? S'il n'y avait pas de richesse, je serais d'accord avec vous. Mais en fait, il n'y en a jamais eu autant de richesses dans le monde. C'est ça la réalité. Amazon, Google et d'autres groupes ne paient presque pas d'impôts en Europe. Un autre exemple, la Lufthansa a été sauvée à coût de milliards d'euros lors de la pandémie. On reviendra là-dessus. Et en même temps, cette même Lufthansa a déclaré qu'elle allait supprimer des milliers d'emplois. L'argent des contribuables a donc permis de sauver des entreprises, et ce sont ces mêmes entreprises qui ont distribué des dividendes à leurs actionnaires tout en supprimant des emplois. Corentin, pour répondre à cette hausse de la précarité, en tout cas à court terme, des États européens mettent en place des aides sociales. Oui, alors elles sont importantes. Je vais vous donner peut-être un point là-dessus. C'est 28% du PIB qui est consacré en Europe en moyenne à l'aide sociale. Donc c'est assez important comparé à l'échelle du monde. Alors attention, 28%, ça paraît beaucoup. Ça comprend quand même les retraites, les aides au chômage, les aides au logement, à la famille, à la santé, etc. Le record de la part du PIB qui est consacré aux aides sociales en Europe, c'est la France, avec 34%. Elle n'est pas si loin devant la Scandinavie, devant les pays de l'Occident, l'Allemagne, etc., l'Italie, autour de 30%. Et à l'autre bout du spectre, du côté de l'Europe centrale et de l'Est, en Lituanie, Pologne, Roumanie, on est plutôt autour de 20%, voire moins de 20% consacrés aux aides sociales. Et dans les pays, Corentin, où ces prestations sont élevées, elles n'ont pas bonne presse. Oui, par exemple, c'est le fameux assistanat dont vous avez parlé notamment. 65% des Français estiment qu'il y a trop d'assistanat dans le pays. Et cette mauvaise réputation s'étend même parfois à ceux qui pourraient prétendre à ces aides sociales. C'est ce qui est ressorti de notre atelier. Contre toute attente, une grande part de ceux qui pourraient toucher les aides sociales ne les demandent pas. La honte, elle doit être du côté du gouvernement, qui c'est honteux de rien faire pour permettre à chacun de vivre dignement. Et la honte, elle est dans les gens qui doivent, à un moment... Je me souviens que j'ai appelé les cartons du cœur, j'ai raccroché 10 fois, avant de leur dire « J'ai rien, est-ce que... Enfin, je suis là avec mes 3 enfants, est-ce que... » Enfin, c'est des mots qui sont difficiles à dire. Pour les mères isolées, on est beaucoup victimes, en fait, de post-it, de préjugés. Voilà, les pauvres, les cassos, on a tout ça qui se colle à nous et qui nous colle la honte. Et ce qu'on aimerait, c'est justement que les choses ne soient pas, on ne soit pas tout le temps en train, au travers de l'administration notamment, tout le temps en train de devoir aller toquer aux portes, dire je voudrais ci, je voudrais ça, je voudrais une aide. 40% de ceux qui ont besoin d'aide en Allemagne ne la demandent pas parce qu'ils ont honte. En faisant valoir vos droits, vous confessez que vous êtes pauvre.
Les pauvres sont souvent vus comme des gens qui ne veulent pas travailler, qui sont paresseux, qui ne comptent que sur les aides de l'État. Et ça devient beaucoup plus difficile de quitter ce système. Parce que si vous vivez sous ce stress permanent, vous êtes bloqué pour reprendre des initiatives. Même les pauvres ont honte de réaliser qu'ils sont pauvres. Il est profondément ancré dans leur esprit qu'ils ne peuvent tout simplement pas être pauvres. Rolf a dit que 40% des pauvres ne réclament pas leurs droits. C'est même 50% ici à Genève. Et ce n'est pas seulement le fait qu'ils ne réclament pas leurs droits. C'est qu'ils ne savent tout bonnement pas comment le faire. Nima Sananjani, vous nous dites qu'il faut arrêter la situation, ces situations d'assistanat, il faut arrêter l'état social, c'est un piège de pauvreté. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens qui sont dans des situations de pauvreté? On vous coupe les vivres? Premièrement, l'Europe doit tout faire pour accélérer la croissance économique. Il faut faire grossir le gâteau, si je puis dire. C'est ce qu'on ne fait plus depuis des années et des années. On a une économie qui stagne, qui ne produit plus assez de richesses, et donc on n'a pas d'argent, pas de ressources. Et on est dans une crise extrêmement profonde dont on n'arrive pas à sortir. Deuxième observation qui concerne tous les pays d'Europe, il y a d'un côté beaucoup de gens qui ne peuvent pas obtenir un emploi, et d'un autre côté, une demande croissante de travail très qualifié. Et cet écart se creuse. Voilà ce que je veux dire avec la société de la connaissance. Je pense qu'on devrait investir largement dans la formation pour adultes pour que les gens puissent, à côté de leur travail ou pendant qu'ils sont au chômage, faire progresser leurs compétences professionnelles. Özlem Demirel, moi ce que j'entends, c'est que finalement, plutôt que d'investir dans des aides sociales, il faudrait plutôt investir dans la formation, dans la reprise économique et donc dans la création d'emplois. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bien sûr qu'il faut investir dans l'éducation et dans des systèmes éducatifs équitables qui donnent une chance à tous les enfants. Il faut aussi que les gens accèdent à des emplois, car le travail, c'est effectivement le meilleur moyen de lutter contre la pauvreté. Mais en libéralisant le marché du travail, nous avons créé une situation où justement, avoir un emploi ne suffit plus à protéger contre la pauvreté. Il y a de plus en plus de personnes qui travaillent et qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Ce dont les gens ont besoin, c'est d'un bon travail. Il nous faut des syndicats forts, capables de négocier de bons accords salariaux et de bonnes conventions collectives. Et si vous me demandez s'il faut créer encore plus d'impôts, encore plus de taxes, alors je réponds non. Nous n'avons pas besoin de plus d'impôts. Nous avons besoin d'une imposition différente, allégée pour les catégories inférieures et qui taxe plus lourdement les super riches. Justement, le réseau européen de lutte contre la pauvreté a réuni des citoyens précaires venus de tout le continent pour échanger avec des décideurs et des élus, avec un message: mettre fin à la pauvreté, c'est d'abord une question de volonté politique. Marie-Claire Polo a suivi l'une de ses participantes, Marie-Carmen Gomez, depuis Martorell, en Catalogne, jusqu'à Bruxelles. À 54 ans, sans enfant, Marie-Carmen Gomez a un parcours de vie accidenté. Ici, j'ai une lampe. Aujourd'hui, elle vit grâce à une pension d'invalidité de 600 euros par mois. J'ai juste ça pour m'éclairer et j'utilise aussi l'écran allumé de mon ordinateur. Jusque-là, j'avais essayé de ne pas mettre le chauffage. Mais là, je sors tout juste d'une grippe il y a une semaine. Alors j'ai décidé d'allumer, je ne voulais pas être encore plus malade. Mais c'est vrai que j'ai très peur de ce moment où je vais recevoir la facture et où il va falloir assumer. Il y a 6 ans, son fournisseur d'énergie a privé Marie-Carmen de gaz et d'électricité. Désormais considérée par les autorités comme vulnérable, la loi catalane la protège contre les coupures. Pour autant, cette peur d'être privée d'électricité la tourmente toujours au quotidien. Si j'appuie sur l'interrupteur et qu'il ne s'allume pas, la première chose à laquelle je pense, c'est « ça y est, ils m'ont coupé l'électricité ». C'est difficile de changer dans ta tête, de ne pas vivre avec cette angoisse, de te dire « je ne vais pas pouvoir payer ce mois-ci, ma dette va encore s'alourdir ». Marie-Carmen a déjà accumulé une dette de 2400 euros auprès d'un fournisseur d'énergie. Pour connaître ses droits, elle s'est engagée au sein de l'Alliance contre la pauvreté énergétique. L'objectif de cette association, garantir un accès universel à l'eau et l'énergie. Décembre 2022, Marie-Carmen est invitée à Bruxelles pour participer à une rencontre très particulière.
Et c'est parti pour la 20e édition des rencontres des personnes touchées par la pauvreté. Et cette année, nous allons parler des multiples crises du moment. Ça ne sert à rien de se plaindre à sa voisine en disant « Regarde la facture que j'ai reçue, comment je vais faire pour manger ce mois-ci ? » Non, on n'arrive à rien comme ça. Il faut faire du bruit, sortir dans la rue, se battre, crier plus fort, tous ensemble. 30 pays européens représentés, plus de 75 délégués qui ont pour point commun d'être eux-mêmes touchés par la pauvreté ou de l'avoir été par le passé. L'insupportable coût de la vie, c'est le thème de la rencontre cette année. L'énergie, le coût du logement et l'inflation des coûts alimentaires sont au cœur des échanges. Ici, l'expérience de la pauvreté est valorisée comme une expertise. J'ai été une mère célibataire pendant très longtemps. J'ai dû fuir mon mari parce qu'il était devenu violent. Maintenant, j'ai comme une sorte de sac à dos rempli de moments difficiles que j'ai vécus. Et maintenant, je peux travailler avec ça. J'en ai fait une force. Parce que eux, ils n'en ont pas la moindre idée. Les responsables des logements sociaux, par exemple, ils prennent des décisions pour nous, depuis là-haut. Mais ils ne nous demandent jamais ce qu'on pense. C'est l'autre ambition de ce rassemblement, confronter les décideurs. Des représentants d'institutions de pouvoir, telles que la Commission européenne ou les Nations unies, sont présents. Les délégués peuvent s'adresser directement à eux. Vous avez insisté sur l'impact de la guerre en Ukraine et de la pandémie de Covid. Mais il n'y a plus d'excuses possibles. Les gens ont faim, les gens meurent. Ça doit s'arrêter. On ne peut pas continuer à utiliser les pandémies, la guerre, le climat social et autres comme une excuse. Merci pour votre réaction. Nous avions déjà fait nos propositions avant la guerre. Et toutes vos suggestions vont être transmises à mon patron, le vice-président de la Commission européenne, Valdis Dombrovskis. C'est très important de voir si les mesures que nous prenons ont un impact ou non sur les gens. S'il n'y a pas d'impact, cela veut dire que nous devons faire mieux pour les aider. On se bat depuis très longtemps contre la pauvreté. Et pourtant, il y en a toujours. Donc c'est comme une lutte sans fin, sans trouver de solution. C'est ça qui me fait douter. Près de 22% des Européens sont considérés comme menacés de pauvreté ou d'exclusion. Un chiffre en baisse ces dernières années, mais qui remonte depuis le début de la pandémie. Özlem Demirel, qu'est-ce qu'on peut encore faire d'un point de vue politique ? Dans ce reportage, on entendait des gens qui disaient que voilà, le politique doit reprendre sa place. Est-ce que véritablement c'est encore possible aujourd'hui de politiquement faire le choix de lutter contre la pauvreté ? Est-ce que c'est encore possible ? En matière de réforme, il y a beaucoup de choses à faire. La première, je le répète, créer un système fiscal équitable, où les revenus moyens et inférieurs sont moins imposés et où les super-riches et les multinationales le sont davantage. La deuxième chose, ce serait d'avoir des salaires minimums qui protègent de la pauvreté. Et la troisième chose, c'est que nous devons renforcer les syndicats et les droits des travailleurs afin d'avoir de meilleurs salaires, afin que le travail puisse protéger de la pauvreté. Il faut aussi créer des logements sociaux abordables. Nous devons investir beaucoup plus dans le système éducatif. Nous devons également donner aux étudiants issus de milieux peu instruits les moyens d'obtenir des diplômes de l'enseignement supérieur. Nous avons besoin d'un système de santé qui protège vraiment tout le monde. Nous avons besoin de plus d'investissements dans des infrastructures sociales, des transports publics abordables. Il y a vraiment une énorme quantité de réformes qui pourraient et devraient être faites pour que les choses aillent mieux et que la société soit plus juste. Alors Corentin, au milieu de cette discussion un peu grave, vous avez quand même une bonne nouvelle et ça va aller dans le sens de ce que nous disait à l'instant Özlem Demirel. Oui, et ça va peut-être vous mettre d'accord, effectivement. Si vous êtes un petit peu plombé par tous les chiffres qu'on a rappelés sur la pauvreté, la hausse de la précarité, eh bien il y a un chiffre qui va vous redonner le sourire. 1 billion de dollars, ça veut dire
1000 milliards de dollars. Rien qu'en le disant, voilà, je retrouve le sourire. C'est la somme qu'ont gagné les 628 milliardaires européens en 2021, en pleine pandémie. Et de manière générale, la concentration de richesses augmente partout en Europe, Nora. Mais alors, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il y a plus de richesses, mais il y a plus de pauvreté. Donc, on a quand même un petit problème de redistribution. Peut-être. En tout cas, c'est la question qu'on a posée aux membres de notre atelier. Je rappelle que dans l'atelier, il y avait des économistes plutôt libéraux, plutôt marqués à droite, des activistes plutôt de gauche. On se disait qu'on allait avoir un beau débat, comme ici. Mais non, à notre grande surprise, c'est le consensus de la semaine. Tous les invités étaient d'accord sur la réponse à appliquer. Le marché et le capitalisme sont bons pour créer de la richesse, mais vraiment pas bons pour la redistribuer. Les circonstances de la vie font que certains ont la chance de naître dans un pays riche plutôt que dans un pays pauvre, ou d'être né dans les années 2000 plutôt qu'au XVIIe siècle. Je vois deux points importants à régler. D'abord, il faut faire en sorte que les marchés fonctionnent correctement. Et encore plus important, il faut taxer les profits et les redistribuer de manière efficace à ceux qui en ont le plus besoin. Le problème de base, selon moi, c'est que la pauvreté est l'expression d'un problème beaucoup plus profond. Il y a un trop large éventail de richesses et trop de différences de revenus qui existent dans les pays les plus favorisés. C'est quelque chose qu'on observe de manière permanente. Et c'est une tendance qu'il va falloir stopper, parce qu'on ne peut ni protéger, ni maintenir la cohésion sociale à long terme si l'éventail des revenus et les écarts de chance pour les populations sont toujours aussi grands. Et j'ai plein de cours sur les inégalités et le fait que les inégalités, elles ne viennent pas forcément du revenu, elles viennent surtout de l'héritage. Je pense qu'il faut qu'on arrête d'avoir peur d'imposer l'héritage parce qu'en fait, je sais qu'en Allemagne, il y a ce nouveau terme des trop. En fait, on ne dit plus les très riches, on dit les trop riches pour montrer qu'en fait, à un moment, il y en a trop et qu'en fait, la seule chose que ça permet, c'est de creuser et de perpétuer les inégalités. Nima Sanandaji, on parlait tout à l'heure de 1000 milliards de dollars de patrimoine pour les 628 milliardaires européens en 2021. Maëlle nous dit à un moment, il va peut-être falloir se poser la question des trop riches. C'est quand même un sujet, cette question de la redistribution. La richesse de ces milliardaires vient de leurs entreprises. Il ne s'agit pas d'argent qu'ils ont sur leur compte en banque personnel. Leur argent se trouve dans la valorisation des entreprises dont ils sont propriétaires, d'accord ? Ce n'est pas de l'argent qu'ils ont dans leur poche, c'est clair ? Si vous connaissiez leurs revenus propres, vous trouveriez qu'ils ne sont pas si élevés. Seule une toute petite partie de ces gens que vous appelez les ultra-riches est vraiment riche à titre personnel. La majorité tient sa richesse de leurs entreprises, parce qu'ils sont propriétaires de l'immobilier, par exemple. Alors, vous voulez prendre leur argent pour le donner aux gens modestes? Qu'est-ce que cela signifierait? Cela signifierait qu'on affaiblirait la valeur des entreprises. Ça, c'est ce qu'on appelle le socialisme. C'est une idée qui est toujours présentée par les socialistes. Mais est-ce que ça va créer des emplois? La problématique, justement, c'est peut-être ça, c'est que face à cette manne financière de plusieurs milliards d'euros. En face, on a des emplois qui manquent, on a des gens qui ne sont pas très bien payés avec des bas salaires. Il y a un moment, il y a quand même aussi, y compris dans les entreprises, un problème de redistribution. Les pays qui disent « on va taxer l'industrie », donnez-moi un exemple où cela a réduit la pauvreté. Il s'agit d'un discours complètement faux. Nous avons des problèmes de pauvreté, nous avons des problèmes de manque de croissance économique, nous avons des problèmes de manque d'emploi. Nous voulons plus d'emplois, mais nous voulons prendre l'argent de ces milliardaires, nous voulons affaiblir leurs entreprises. Nous allons les taxer, et puis nous aurons plus d'emplois. Mais comment ? Regardez les revenus de ces milliardaires, parce que c'est ainsi. Les revenus de ces milliardaires ne représentent qu'une minuscule partie des revenus dans une économie. Leur capital, c'est l'industrie. Mais non, on doit dire, nous prenons la richesse de l'industrie et nous la distribuons en allocation. Eh bien d'accord, allez-y. C'est une politique qui ne marche absolument pas. Non, ce n'est pas correct. Vous faites une petite confusion sur le fait qu'il existe des fortunes d'entreprises et des fortunes privées. Les classes moyennes supérieures ont parfois l'impression qu'on s'adresse à elles,
quand on parle de super riches, alors qu'elles possèdent une maison et 1 million d'euros à la banque. Mais non, on ne parle pas de ces gens-là. On parle des gens qui possèdent des dizaines de milliards d'euros. Je le disais, les 10 citoyens les plus riches de l'Union européenne possèdent 536 milliards d'euros. Et vous, vous nous dites, oui, mais s'ils sont devenus si riches, c'est parce qu'ils ont généré cet argent dans leurs entreprises. Mais non, ce ne sont pas les propriétaires de capitaux qui ont travaillé et généré l'argent. C'est le travail des employés qui a créé toute cette richesse. Mais les travailleurs, eux, ils perçoivent une part de plus en plus minime du fruit de leur travail. Ils vivent de moins en moins cette prospérité. Et c'est bien là le problème. C'est si frustrant, c'est la même perspective socialiste depuis des années et des années, cela ne marche jamais. Il n'y a aucune expérience empirique qui a marché. Cette pensée socialiste qui refuse de comprendre comment l'économie fonctionne est tellement puérile. On refuse de regarder les études scientifiques qui disent tout le contraire de cette pensée. On refuse d'accepter que les pays qui se débrouillent le mieux, ce sont ceux qui ne sombrent pas dans le gouffre du socialisme. Mais nous ne vivons pas sous le socialisme, nous vivons sous le capitalisme. Si vous souhaitez approfondir un peu la question, je vous conseille de lire Karl Marx. Il explique très bien le fonctionnement du capitalisme et aussi comment pourrait être structurée l'alternative qu'il a lui-même formulée, à savoir le socialisme. Merci beaucoup, Nima Sanandaji, Özlem Demirel. On ne vous mettra pas d'accord, mais on voit à quel point cette question soulève des controverses. Merci, Corentin. Merci, Nora. Tout de suite, c'est notre grand entretien. Je reçois Lee Elliott Major, professeur de mobilité sociale à l'Université d'Exeter. Enfant de la classe ouvrière, adolescent, punk et déscolarisé, pompiste, éboueur, rien ne destinait notre invité à devenir le premier membre de sa famille à entrer à l'université, devenir enseignant à Exeter au Royaume-Uni et même officier de l'Empire britannique. Un exemple inspirant, la preuve que la méritocratie fonctionne ? Pas vraiment, plutôt une exception à une foule de règles qu'il veut et qu'il faut changer sous peine d'implosion de nos sociétés. Bonsoir, Lee Elliott Major. Bonsoir. Alors, Lee Elliott Major, vous êtes devenu le premier professeur en mobilité sociale. En quoi cela consiste d'enseigner la mobilité sociale ? Qu'est-ce que ça veut dire ? La mobilité sociale concerne nos chances dans la vie, nos perspectives de vie et notre réussite par rapport à celle de nos parents. Et le problème de la génération d'aujourd'hui, c'est qu'elle est la première à moins bien s'en sortir que la génération précédente. Nous nous trouvons donc en terrain inconnu. Nous vivons dans un monde nouveau. Depuis la guerre, chaque génération a réussi un peu mieux en moyenne que la précédente. Mais la génération qui grandit actuellement est la première à ne pas s'en sortir aussi bien. C'est le cas si on considère ses revenus, la classe sociale à laquelle elle appartient, le fait qu'elle soit propriétaire ou non d'une maison, etc. Nous sommes face à une situation inhabituelle. Et alors, comment vous expliquez que cette mobilité sociale qui a été possible au sortir de la guerre pendant les Trente Glorieuses, aujourd'hui, il y ait ce frein ? Est-ce que ça veut dire que les transfuges de classe, ce que vous êtes, n'existeront plus ? Après la guerre, nos sociétés ont connu une période d'essor économique. Il y avait plus d'emplois, et donc des gens comme moi, et peut-être vous aussi, ont pu accéder à ces emplois. Le problème de ces dernières décennies, c'est que les inégalités se sont creusées, et qu'il est donc très difficile de gravir l'échelle sociale. Et puis surtout, il n'y a plus de place au sommet de la pyramide. Des gens comme moi occupent ces emplois, et cela signifie que les plus jeunes n'ont pas la possibilité d'y accéder. Ce problème est en gestation depuis longtemps. Les gens me demandent souvent, « Lee, vous avez gravi les échelons de l'échelle sociale. Pourquoi les autres n'y parviennent-ils pas ?» Eh bien, je fais partie des chanceux, et j'ai été aidé par de nombreuses personnes dans ma vie. J'avais un oncle qui a payé mes frais universitaires. Un professeur m'a repéré et m'a aidé. Un ami m'a laissé vivre chez lui avec ses parents quand je n'avais pas de domicile. Je crois que ma réussite est le produit d'une réussite collective. Et je pense que nous avons oublié que c'est le cas de nombreuses personnes. Malheureusement, ce que nous observons dans nos sociétés désormais, c'est une notion très individualiste du succès.
C'est ce que l'on appelle le rêve américain. C'est l'idée que nos origines ne devraient pas nous empêcher de réussir dans la vie. Oui. Ce qui veut dire que le hold-up, finalement, que vous avez réussi, vous, à opérer en arrivant à surmonter ces difficultés et ces déterminismes, aujourd'hui, il est de plus en plus difficile. Pour autant, le discours politique qu'on entend aujourd'hui, c'est un peu ce que vous disiez sur ce rêve américain, sur ce rêve européen. C'est le self-made man, self-made woman. Quand on veut, on peut. Pour vous, c'est un mythe ? Pour la plupart des gens, c'est un mythe. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans toute l'Europe, nous avons des élites politiques qui proviennent d'une toute petite fraction de la société. Ils sont tous issus des meilleures universités et des meilleures écoles. Ils ont une vision très étroite de ce que moi, je considère comme le succès. Je dirais que le succès n'est pas seulement une question de réussite aux examens académiques. Il s'agit plutôt de rendre service aux autres. Ainsi, dans mon monde, je paierais mieux par exemple les infirmières et les travailleurs sociaux. Je suis pour la redistribution des revenus. Les écarts sont beaucoup trop importants. Nous avons atteint à ce sujet un point de basculement dans la société. Pourtant, ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, regardez, on est en train d'avoir cette conversation, ce débat sur ces notions de transfuge de classe, sur ces transclasses, sur cette mobilité sociale. Elle n'a jamais été aussi présente dans l'actualité et dans les débats, mais finalement, c'est peut-être aussi parce qu'elle n'a jamais été aussi difficile à atteindre. C'est ça, le hiatus auquel on assiste aujourd'hui ? Oui, il existe une théorie selon laquelle il faut inciter les entrepreneurs à s'enrichir pour qu'ils génèrent de la richesse pour les autres. En Angleterre, nous appelons cela la théorie du ruissellement. C'est vraiment l'idée de redistribuer davantage de richesse à davantage de personnes. Mais ce n'est pas du tout ce qui s'est produit. À mon avis, le problème est que les élites sont de plus en plus éloignées des gens dont elles sont censées être au service et elles sont déconnectées, à mon avis, de la plupart des problèmes auxquels les gens sont confrontés. J'ajouterais qu'il n'est pas uniquement question de gravir l'échelle sociale, comme je l'ai fait par exemple. Il faut pouvoir mener une vie digne, pouvoir payer son loyer, pouvoir nourrir ses enfants. Nous sommes maintenant, je crois, à un moment où la société moderne est confrontée à une sorte de crash, que nous verrons peut-être arriver l'année prochaine, peut-être dans les 10 prochaines années, parce qu'il y a trop de gens pour qui le rêve européen est un mensonge, un mythe. C'est quand même un constat extrêmement pessimiste, très noir. Est-ce que véritablement, il n'y a pas de moyen d'éviter ce crash ? Et qu'est-ce qu'il faudrait, selon vous, pour faire en sorte que ce mythe se réenchante à nouveau ? À mon avis, les gouvernements doivent fondamentalement changer leurs priorités. La plupart des gouvernements en Europe et dans le monde sont obnubilés par la croissance économique. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on maintient des inégalités de revenus, parce que cela incite les gens à entreprendre afin d'accroître leur richesse. Je pense que c'est une mauvaise théorie. Les gouvernements devraient revoir leurs priorités et penser au bien-être des individus en même temps qu'à une croissance économique inclusive, c'est-à-dire une croissance avec redistribution pour les personnes qui en ont le plus besoin. Je pense aussi que nous avons besoin d'un programme pour la petite enfance, car nous savons par nos études que les enfants les plus pauvres sont déjà en retard à l'âge de 5 ans. Le système éducatif essaie vraiment de rattraper les inégalités préexistantes. À mon avis, il faut se pencher sur des choses importantes comme la lecture, avec chaque enfant. L'autre chose que j'instaurerais, ce serait des droits et des salaires minimums pour tout le monde. Nous devons nous occuper des personnes qui ont des contrats précaires. Ils devraient avoir des retraites et des vacances comme tout le monde. Je pense qu'il y a des choses très simples que nous pouvons mettre en place. Le problème est de savoir si les politiciens actuellement au pouvoir sont prêts à les adopter. Je crains que non. Mais peut-être faudra-t-il que, pour arriver justement à avoir des politiques qui aient le courage de mettre en place ce type d'action et de politique publique, peut-être faudra-t-il attendre qu'ils soient eux-mêmes des transfuges de classe. Oui, en effet. Je pense qu'il va s'agir d'une bataille générationnelle et qu'il va nous falloir des années pour y remédier. Je pense qu'il nous faut une mobilité sociale vers le sommet de la société, parce que si nous n'avons pas, dans la sphère politique, des gens qui comprennent ces problèmes et qui ont de l'empathie pour ces problèmes, je ne pense pas que nous puissions changer le monde pour le moment. Je ne dis pas que nous devons transformer le capitalisme. Je pense que nous devons simplement faire évoluer les valeurs au cœur de la société. We
J'ai l'impression que nous n'avons fait qu'adopter le rêve américain sans maintenir certaines de nos valeurs européennes, qui sont des valeurs de société plus collective. Nous avons perdu de vue nos valeurs dans ce monde. Donc retrouver nos valeurs européennes, arrêter de penser que le ruissellement nous sauvera et faire preuve d'empathie. Merci beaucoup, Lee Elliott Major, de nous avoir réveillés sur ces questions. Merci beaucoup. Voilà, 27, c'est fini pour aujourd'hui. Dans les prochaines semaines, nous discuterons d'arnaques en ligne, de la protection de nos données, de la fast fashion ou encore de sécurité sanitaire alimentaire. Vous avez envie de débattre? Écrivez-nous. 27, c'est fini sur cet écran, mais ça continue sur tous les autres. Alors n'hésitez pas à réagir et à commenter sur les réseaux sociaux. Très belle semaine à tous. Tchuss.